France, le cyberactiviste algérien Amir Dezed, remis en liberté. Takoute lors de son procès, je n'ai jamais obtenu de crédit bancaire ni bénéficié d'autres avantages. Excuse de la France pour l'Algérie, Marine Le Pen réplique. Le passeport algérien classé 92e derrière ceux de la Tunisie et du Maroc. Congrès extraordinaire du FFS, Ali Laskri jette l'éponge. France, le cyberactiviste algérien Amir Dezed, remis en liberté. Le blogueur algérien Amir Boukors, connu sous le nom de Amir Dezed, a été remis en liberté ce mardi 7 juillet au lendemain de son arrestation par la police française à Paris, en France. À sa sortie du commissariat, l'activiste a déclaré que le gouvernement algérien voulait faire pression sur lui, afin qu'il arrête son combat. Le célèbre cyberactiviste algérien a retrouvé sa liberté ce mardi. Les autorités algériennes ont demandé à la France mon extradition vers l'Algérie, a-t-il déclaré à sa sortie dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Et d'ajouter que la justice française lui avait notifié que l'Algérie avait délivré pas moins de 7 mandats d'arrêt internationaux à son encontre. Amir Boukors, connu sous le nom de Amir Dezed, estime qu'à travers son arrestation, le gouvernement algérien veut faire pression sur lui pour qu'il arrête sa lutte. J'irai jusqu'au bout. « La seule chose qui m'arrêtera sera la mort », a-t-il ajouté. Amir Dezed devrait se présenter prochainement devant la cour d'appel de Paris. Rappelons que l'avocat de l'Algérien avait indiqué hier que son client va évidemment s'opposer à la demande d'extradition. « On présentera au juge compétent les raisons qui nous poussent à penser qu'il ne faut pas l'extrader, car toutes ces condamnations ont des motifs politiques et c'est ce qu'on fera valoir devant les juridictions françaises », a-t-il ajouté. Pour la suite des événements, Amir Boukors restera sous contrôle judiciaire et devrait se présenter prochainement devant la cour d'appel de Paris, qui se prononcera sur son cas. Il convient de rappeler que la police française avait appréhendé, lundi 6 juillet, le cyberactiviste Amir Dezed à Paris, avant de l'emmener au commissariat de Nanterre, dans la région parisienne, dans le cadre d'une procédure d'extradition vers l'Algérie. Takoute lors de son procès, je n'ai jamais obtenu de crédit bancaire ni bénéficié d'autres avantages. Le procès de l'homme d'affaires Mayedine Takoute s'est poursuivi mardi au tribunal de Sidi Mahmed à Alger, avec son audition au même titre que d'autres accusés poursuivis dans diverses affaires de corruption. Mayedine Takoute a nié les chefs d'accusation portés contre lui, dont l'obtention d'indus avantages et marchés publics, et le fait qu'il ait bénéficié de crédits bancaires de plus de 27 000 milliards de centimes. Répondant aux questions du magistrat de siège sur le non-paiement de la TVA imposée à tous ses investissements et les indus avantages et marchés publics dont il a bénéficié, notamment la location des bus de transport universitaire à Oran et Alger, l'accusé principal a répondu « Qu'en tant qu'investisseur connu au niveau national, j'ai réalisé tous les projets d'investissement de mes propres moyens et avec mes fonds, et je n'ai jamais obtenu de crédit bancaire, ni bénéficié d'autres avantages ou abusé de mes fonctions. » Toutes mes sociétés ont contribué à la création de 14 486 emplois permanents en consacrant près de 1 200 milliards de centimes pour le paiement des salaires, a-t-il précisé, ajoutant que le salaire le plus bas pour un simple employé aussi est entre 45 000 dinars et 50 000 dinars. S'agissant de l'allocation des bus de sa société à l'établissement public de transport urbain et suburbain d'Oran, Eto, et d'Alger, Etusa, Takoute a fait savoir que cette opération s'est effectuée dans le cadre du respect de la loi relative au marché public. Lors de la même audience, l'ancien wali d'Oran, Abdelganiza Alan devenu, plus tard, ministre des Travaux publics et des Transports, a été auditionné. Il a affirmé que l'établissement public de transport urbain d'Oran, Eto, était contraint à louer les bus de l'entreprise Takoute en raison de la disette financière dont il pâtissait à l'époque, ajoutant que l'opération avait été faite dans un cadre juridique et conforme à un cahier des charges déterminé. Le code des marchés publics ne lui permettait pas, en sa qualité de wali, d'intervenir dans le choix de l'opérateur attributaire de l'appel d'offres, qui était ouvert à tous, a expliqué M. Zahalan. Concernant la location par la Wilaya d'Alger des bus de l'entreprise Takoute pour les besoins de l'opération de relogement effectuée en 2018, M. Zahalan a précisé qu'en sa qualité de ministre des Transports à l'époque, il avait donné son accord pour la location des bus de tout opérateur en vue de combler le déficit dont pâtissait la Wilaya, ajoutant qu'il n'était pas intervenu dans la conclusion des marchés ou le choix de l'opérateur.
le procès de Mahieddine Takhout en détention provisoire depuis juin 2019, avec des membres de sa famille se poursuivra, mercredi, pour auditionner d'autres accusés dans cette affaire. Excuse de la France pour l'Algérie, Marine Le Pen réplique. La présidente du Rassemblement National, RN, Marine Le Pen, a vivement critiqué les dirigeants algériens qui demandent des excuses officielles de la France pour la colonisation de l'Algérie. Dans un tweet posté sur son compte officiel, Marine Le Pen estime que le gouvernement algérien devrait plutôt se concentrer sur les problèmes réels que vit le peuple algérien au lieu de parler du passé colonial. Marine Le Pen n'a pas raté l'occasion de tirer sur l'Algérie et ses responsables. Selon elle, les dirigeants algériens demandent des excuses pour le passé afin de masquer le présent. La présidente du parti de l'extrême droite française énumère ainsi les problèmes auxquels fait face l'Algérie. Une économie en ruine, une jeunesse délaissée, un pays en voie de déclassement, etc. Il est temps qu'ils regardent en face le résultat de 60 ans d'indépendance, écrit-elle. Notons qu'il s'agit là d'une nouvelle déclaration provocatrice de la part de Marine Le Pen, qui s'est souvent illustrée par ses discours haineux envers les ressortissants algériens établis en France. Lors d'une interview accordée à France 24, le 4 juillet dernier, à la veille du 58e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, avait estimé que la France devait présenter des excuses pour la colonisation de l'Algérie. « On a déjà reçu des demi-excuses. Il faut faire un autre pas, on le souhaite », avait souligné le chef de l'État algérien. Cela va permettre d'apaiser le climat et le rendre plus serein pour des relations économiques, pour des relations culturelles, pour des relations de voisinage, a-t-il poursuivi, en rappelant que plus de 6 millions d'Algériens vivent en France et qu'ils peuvent emmener quelque chose là-bas et ici. Néanmoins, la requête de l'Algérie et de son président n'a pas été du goût de beaucoup de Français. Dans un sondage lancé par le journal français Le Figaro, ils étaient plus de 85% votants, plus de 197 000 participants, défavorables à des excuses officielles de la France pour son passé colonial en Algérie. Le passeport algérien classé 92e derrière ceux de la Tunisie et du Maroc. Le passeport algérien a été classé à la 92e place sur 109 pays, dans le classement mondial Henley Passports, basé sur le nombre de destinations auxquelles les titulaires du document de voyage peuvent accéder sans visa préalable. L'Algérie, qui perd 4 places, par rapport à l'année 2019, se classe ex-aequo avec la Jordanie et est devancée par 3 pays du Maghreb, la Tunisie, 74e, et le Maroc, 79e, et la Mauritanie, 84e, tandis que la Libye occupe le bas du tableau, à la 104e place, devant le Yémen, 105e, la Syrie, 107e, et l'Irak, 108e. Les Émirats arabes unis caracolent en tête de classement, dans le monde arabe à la 19e place, devançant de loin le Koweït et le Qatar, 57e, et l'Arabie saoudite, 67e. Aucun pays arabe, ni musulman ne figure en tête de liste. Tous les États classés dans le top 10 sont nord-américains, européens et asiatiques. Le Japon occupe la première place, suivi de Singapour, de l'Allemagne, de la Corée du Sud, de la Finlande, de l'Italie, du Luxembourg, de l'Espagne, de l'Autriche, du Danemark, de la France, de l'Irlande, de la Hollande, du Portugal, de la Suède, de la Belgique, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, plusieurs de ces pays partageant le même score. Le Henley Passport Index est basé sur des données exclusives de l'International Air Transport Association, IATA, qui gère la base de données d'information sur les voyages la plus vaste et la plus précise au monde, et améliorée par les recherches en cours du département de recherche Henley & Partners, dont le président et inventeur du concept, le Dr Juerg Stephen, estime qu'au cours des prochains mois, nous assisterons à l'émergence d'une nouvelle hiérarchie mondiale en termes de mobilité, avec les pays qui ont efficacement géré la pandémie du Covid-19 au premier plan, tandis que les pays qui l'ont mal géré prendront du retard. Le Dr Juerg Stephen affirme que le fait de détenir une seconde nationalité ou une résidence secondaire est un atout encore plus précieux que jamais au moment où les préoccupations concernant la mobilité mondiale, la qualité de vie et l'accès à des soins de qualité revêtent une urgence nouvelle, selon l'agence britannique PR Newswear qui rapporte l'information, en estimant que la crise liée à la pandémie de Covid-19 risque de rendre la mobilité internationale plus restreinte et imprévisible à long terme.
congrès extraordinaire du FFS, Ali Laskri jette l'éponge. Le congrès extraordinaire du FFS, prévu jeudi et vendredi, se prépare de la pire des façons sur fond de guerre de légitimité entre les anciens, qui sont pour un congrès rassembleur, et ceux qui ont actuellement la main mise sur l'appareil, partisans d'une assise ouverte uniquement aux militants encartés et à jour de cotisation. Amar Laskri, membre de l'instance présidentielle démissionnaire, a annoncé qu'il serait absent au congrès, jugeant que sa participation serait contraire à toutes ses prises de position politique. « J'informe les militants que je ne serai pas présent au congrès extraordinaire, mes convictions et ma détermination de la nécessité du changement du système ne me permettent pas de cautionner une rencontre de mise en conformité et de normalisation du parti », a expliqué Ali Laskri dans un communiqué rendu public mardi. « Je vous informe que ma présence sera contraire à toutes mes prises de position politique et contraire aux revendications du FFS depuis l'indépendance et du mouvement révolutionnaire pacifique depuis le 22 février 2019 », a-t-il ajouté, estimant que sa présence cautionnerait la démarche non statutaire et l'absence des conditions de préparation qui ne sont pas réunies en cette période de pandémie sanitaire. Aujourd'hui, le régime en déficit de légitimité veut asseoir sa feuille de route dans le cadre d'une démocratie de façade, neutraliser le mouvement révolutionnaire pacifique et la conférence nationale indépendante du pouvoir, c'est-à-dire une véritable alternative démocratique, l'élection d'une assemblée constituante prélude à l'avènement de la Deuxième République, a dénoncé Ali Laskri, souhaitant bonne chance à tous les délégués qui participeront au congrès. L'heure est à la mobilisation pour la transition démocratique, l'histoire jugera les actes de chacun, termine Ali Laskri qui est un membre actif du Pacte pour l'alternative démocratique. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.